Et salut à tous, c'est Doc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu sur Gripolis. C'est une vidéo très très courte parce qu'on a un event qui est aussi très très court. Alors, dans le sens où il dure une semaine, ça c'est pas très long, mais c'est pas bien grave. Surtout que c'est assez simple à jouer. C'est même, j'ai envie de dire, beaucoup plus simple que de nombreux events qu'on a pu avoir par le passé sur Gripo. Du coup, voilà. Alors, pour une fois, c'est pas un truc qui arrive un mercredi parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que ma vidéo Gripolis sort le mercredi et l'event sort aussi le mercredi. Donc, du coup, voilà, c'est quasiment la suite. Là voilà, ça a commencé aujourd'hui, donc un lundi, ça se termine le 20 juin, donc dimanche, oui, ça dimanche soir, donc c'est vraiment toute la semaine. Alors, c'est un petit événement qui est plutôt rapide à faire. En gros, dans vos villes, vous avez cette créature qui bouge. Alors, j'espère que ça lag pas trop, parce que sinon ça lag un peu les animations, moi, quand je joue à Grepo. Cette créature dans l'eau, donc qui a un hydre. Là, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il a que 5 têtes, alors qu'en fait, il en a 6, en tout cas, il nous en faut 6. Là, vous pouvez voir qu'il y a des sortes de trophées sur les côtés qui sont vides. En fait, à chaque fois que vous allez tuer une tête de l'hydre, vous allez avoir une tête là. Et une fois que vous avez les 6 têtes, vous pouvez obtenir le cadeau, en tout cas, qui est là. Alors, comment participer? Ben, en gros, genre, quand vous cliquez sur l'hydre, ça vous propose plusieurs groupes d'unités à envoyer combattre. Et en gros, j'ai la voix un peu cassée, excusez-moi, c'est à cause du travail. Par exemple, si j'envoie 18 cavaliers à l'épée, il y a 80% de chances qu'ils meurent. Quelques ressources en plus, quelques faveurs, et surtout que 5% d'avoir la tête de l'hydre en fait. Et c'est là qu'il faut trouver le plus rentable tout simplement. Alors, le plus rentable, du coup, il faut aller tout en bas tout simplement. Alors, quoi que, regardez, oui, 40%. Alors, déjà, ils ont très peu de chances de mourir. Et voilà, on a 40% de chances de choper l'hydre. Alors là, dans la ville où je suis, par exemple, je vais plutôt opter pour celle-là. Parce que vous voyez que j'ai pas les 4 renifrondeurs, parce que ça s'adapte pas à la ville en fait. C'est bah, c'est général, c'est tout le monde pareil. Et si je l'envoie, voilà, il faut que j'attende 3 heures maintenant. Hop, j'attends 3 heures. Il y a 30% de probabilité que mes troupes meurent. 30% aussi qu'elles ramènent la tête de l'hydre. J'aurai quelques ressources et quelques faveurs. Alors, du coup, vous pouvez voir que c'est quand même assez facile. C'est vraiment pas cher. Après, voilà, les cadeaux sont pas ouf. Bon, là, ça. Je sais pas si après on en a d'autres une fois qu'on a eu le premier cadeau. En tout cas, avec les 6 premières têtes. Je sais pas si on a une deuxième tête. Alors, chose intéressante, c'est que ça se met dans l'inventaire amélioré. Donc, l'inventaire qui est en bas. Donc ça, on peut voir que j'ai commencé à utiliser un peu les niveaux 10, là c'est que des 20 000 PC, alors j'utilise très très peu, mais j'ai commencé légèrement à les utiliser. C'est plutôt sympa. Enfin bref, du coup voilà, c'est vraiment une petite vidéo actu, donc j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, dire aussi ce que vous en pensez, hein, de ce genre d'event tout petit, c'est vraiment des tout petits events. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos actu ou plus travailler sur Gripolis.